Philippe, oui, en effet, oui, parce que effectivement, étant donné que c'est un environnement totalement nouveau, on a eu la chance de faire la connaissance notamment de Fabrice, mais aussi de Guillaume pour les ateliers Emmaüs et bien d'autres. Et je veux dire que cette journée a été extrêmement riche, déjà d'intérêt et de connaissances en ce qui me concerne, et qui a été vraiment très très enrichissante. C'est une nouvelle forme de recevoir, c'est vraiment, on est totalement libéré des contraintes du desk de l'hôtel. On est tous autour de cette table-là monumentale, ça devient un fil conducteur entre nous tous, même si on ne se connaît pas, on a envie de participer à la même histoire. Et en fait, on ne travaille qu'avec ces chutes et on est en train de réaliser une table magnifique. Et en plus, dans une société qui, elle, a un caractère social puisqu'elle emploie des gens qui sont en réinsertion ou tout ça. Donc, tout ce cadre-là fait que finalement, ça nous enrichit nous-mêmes en tant que designer. On a démarré en 2008 un projet dans lequel on a cherché à mettre tout ce qui nous tenait à cœur, c'est-à-dire à la fois la question d'une place pour tous dans le travail, y compris des personnes qui en sont les plus éloignées, mais également la question du beau, comme l'a dit Valérie, la question aussi du respect de l'environnement dans lequel on vit, et puis une logique de partage du pouvoir et de la richesse au sein de l'entreprise. Vous êtes ici dans une menuiserie école qui a été fondée en 2017 près de Lyon. Notre mission, c'est fabriquer des meubles et des agencements en ayant deux particularités très fortes. La première, c'est qu'on accueille dans cette fabrication des personnes qui sont envoyées par des structures d'action sociale pour s'initier au métier de fabricant de meubles, d'ébéniste. Et la deuxième particularité, c'est qu'on intègre au maximum de matières qui, sans notre intervention, seraient jetées pour réaliser nos créations. Voilà le plateau. On a ce qu'on appelle de la relève de châtaignier. Ce qu'on appelle la relève, c'est les planches qui sont sur le dessus d'un plot. Alors, très rapidement, un plot, en fait, c'est un tronc qui a été scié en planches. Et la planche du dessus, en général, elle est de qualité assez médiocre. Et donc, cette planche, la plupart du temps, elle va directement au broyage. Et on essaye de mettre en place une petite filière pour récupérer ces planches de relève. Voilà. On adore, on la trouve magnifique. Après, elle est destinée à être le point central de l'hôtel, finalement, là où on va pouvoir partager des moments avec nos clients. Donc, on aime totalement le concept. Le bois de relève, bon, après, c'est vrai que moi, j'ai moins l'aspect technique de Fabrice, mais le bois de relève, nous, on le trouve très beau. Et non, on est très fans. Appliquer ce genre de démarche à quasiment, pas forcément tous les projets. Et on dit pas qu'on est 100% écolo, là, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est de faire au mieux, mais je trouve qu'au moins, on a une démarche qui pourrait s'associer à tous les types de projets. Donc on valorise son travail, eux nous valorisent aussi, parce que finalement, on s'enrichit de leurs connaissances, donc c'est super quoi. Ça va bien. Ne pas céder à la facilité, se remettre toujours en cause. En fait, il y a une notion de passer de l'engagement à la préférence. Une étape antérieure, qui est antérieure et qui en fait anticipe ce que sera finalement la production de services que l'on souhaite offrir à nos clients. C'est pas simplement en fait des choses que l'on plaque, c'est aussi des graines que l'on plante, quoi. C'est une démarche qui, pour moi, en tout cas en tant que hôtelier entre guillemets traditionnel, est une démarche nouvelle, inspirante,
Et c'est, on est vraiment, je trouve, au début de cette ouverture d'esprit, avec tout un ensemble de possibilités. Ils ont accepté de se déplacer physiquement. Ils ont pris une journée complète pour faire une tournée. Mais ils ont aussi accepté de se déplacer dans leur tête. Voilà. Et ce faisant, ils nous aident aussi, nous, à bouger. Et c'est vraiment super.